Hello everyone, good morning. Thanks for joining us to this first Revelation webinar. I'm very pleased to welcome you for the 2021 promotion and to present the Revelation. So today we are starting with the Education Revelation with Honoris United University. First of all, I'm Sena Bucham. I'm the We Are 54 manager for Women in Africa. You know that Women in Africa is the first platform that provides support and empower also women entrepreneurs through the continent. We have this dedicated program called We Are 54, where we support women entrepreneurs in the 54 African countries. And this year we have a huge ambition, which is to multiply our support by 10. And thanks to Honoris United University, this year we were able to support 540 women entrepreneurs with a very exceptional hybrid boot camp where we support women entrepreneurs with the coaching around pitch. And we were very, very happy to have this first step on our vision to 2030, which is to support 10,000 women entrepreneurs in Africa. So thanks a lot for joining us. Please let us know from where you are listening to us, you are watching us, which country you are. Me, I'm in Senegal. And I know that Laura, where are you actually? Hello, everybody. I'm based in Morocco, in Casablanca. Hello to all the community today. Yeah, in Casablanca. And Tuli, welcome. Where are you actually talking from? From Hi, where? Everyone, I'm talking from Johannesburg in South Africa. Johannesburg, South Africa. So this is the beauty of Women in Africa, to be to put together all the women entrepreneurs and also all the corporate and all the institution and partner together in the same place so that they can connect and build together the future of Africa. So today, Laura, before we get to the presentation of Tuli in her amazing project in South Africa, and that's why also she's our revelation, education revelation, I wanted to have a very quick talk about you and Honoris United University, because you are on our side since the beginnings. Now 5 years, we were celebrating our 5 year anniversary this year, and you were there since the beginning. And I just wanted to know, what is your feedback? And if you look on these 5 years, what is your feeling with this partnership? Thank you, Senabu, and congratulations, Tuli, for being selected today. This is a great day to celebrate you and your achievements. We will speak deeply about that a bit later. So, Senabu, thank you for asking the question. And I will start with my personal testimonial about my experience with women in Africa. As you just said, you're in Senegal, Tuli is in Johannesburg, and we have many other fellows and sisters across the continent. And actually working with Honoris United Universities, which is the first Pan-African private higher education institutions, we are present in 32 cities in Africa, in 10 different countries. And actually for me, Women in Africa helped me to have a sister in each of the countries that I have visited. And with the guidance of this woman in Africa, to understand the doing business in her country, to understand the culture. This was guidance and mentorship that was extremely precious to me. So I hope that every woman in Africa will benefit in a way or another from the very strong network that has been built over the last 5 years. This is something extremely precious. And just like Hafsat Abiola have written in the intro of the book that you have released, brilliantly released, Senabu, this year, connect, connect, connect. And this is extremely strong. We have a superpower as women to be connected to each other in order to help develop our projects, our business, and our commitment to make an impact on the continent. So this, I wanted to share, Senabu, with this, with my very personal testimonial and experience with women in Africa.
And with regards to what we have achieved with women with Honoris United Universities, I just want to say that every year we're extremely proud and passionate about partnering with women in Africa and making an impact. We have been supporting more than 200 women over the last 5 years with the boot camp that we have been organizing every year, either physical, either digital, in order to empower them with skills to continue to reinforce their entrepreneurial project. And I'd like to say that every year we try with the pandemic, we have been trying to find very agile solutions and creative solutions. And Senabu, thank you to you and all the other partners for having been able to put in place a bootcamp with 540 women this year that have been trained on the pitch. And we all know how powerful is the pitch for an entrepreneur, how important it is. So I would, just in a nutshell, over the last 5 years, I've seen the impact, and this is really a game changer. And only a collective effort will be able to make the change on the continent. So definitely. And this collective action and also this collaboration, this co-creation help us also survive to the COVID crisis, because we need also as women in Africa also a platform to reinvent ourselves. We had the chance to get together in Marrakesh with a physical bootcamp, but this year we challenge also ourselves. And because this is about entrepreneurship, we cannot give this advice every day to the entrepreneur and not being able ourselves to be very, you know, flexible and know how to readapt ourselves. So you help us readapt ourselves with the, this COVID crisis to go also digital and also to be virtual with our program. And how on your side, Honoris United, get through this crisis, this COVID crisis as an institution? Well, I would have to say that the people of Honoris across the continent, so more than 3,500 people across the continent, have been extremely agile and also have benefited from the best practices from one institution to another. And I can proudly say that today they can switch from online to physical to presential in a very fluid manner. And this is what I call the high flex model, that is really blending hybridity and flexibility. And this high flex model is the model that our institution have adopted. And today it's almost possible to switch from one mode to another almost immediately. So, and I take this opportunity to commend them for their tremendous efforts and relentless efforts to ensure the continuation of studies across the different institutions across the continent. And I just want to say one word about Honoris. So Honoris United Universities has today 61,000 students across the continent. And I'm very proud to say that we have more than 50% of our students' body that are female students. So it is, you can understand how important it is for us to promote women leadership, women empowerment, and women entrepreneurship. Yeah, definitely. And I know that also this support is very precious. And I wanted you to talk about the relationship, the special relationship you get with our L'Oréal from 2020 from Kenya. I remember having a lot called Laura wanted absolutely to support. And can you give a word about that, this relationship? Jen in Kenya is just a fantastic woman. She has built an organization in order to support young women and to provide to equip them with digital skills. And actually she was working with 30 people in her office in Kenya. And when we discussed together, we really discussed how to first empower her team. Mm. And so we have provided digital training to all the 30 members of her team. And we have been building partnership to work on providing programs
coding programs for young women. So they have the ability to work from home. Mm-hmm. So that was a phenomenon, you know, partnership that we have built with her. And it's really making an impact because we are really enabling women to get access to some remote job from their home. So they can manage, you know, their personal constraints and their professional life. Yeah, definitely. And that's what we are expecting for all our partners, to leverage the impact that the entrepreneurs are already having on the field. And that's a very great, you know, example. And this is that can be almost a case study, I feel. So thank you so much for the support. And today we are about to celebrate and to present Thuli Dlamini from South Africa. And she is our revelation of education revelation for 2021 promotion. So you will have the chance to interview her in order to let her present herself. Yes, absolutely. Thuli, I was, you know, looking at everything you've done. And, you know, I tried to understand what was the meaning of Ikusasa in Zulu. Yes. And I found out that it is futures. Future. Destiny. Yes. Yeah. And I found it extremely meaningful because, you know, like there is an old saying that when you educate a man, you educate an individual. But when you educate a woman, you educate a nation. You educate a country. So I was thinking, yes, future is exactly what we're about. And building the future thanks to education is exactly what we are about. So I'd like you to present yourself and to tell us your journey and how you created Ikusasa, because the word is so meaningful to us. Thank you so much, Laura. Firstly, I just want to say thank you so much for this platform. You guys have been very amazing since the start when we got into the program. Why this journey? Well, my personal background motivated this journey. I completed my high school with a university admission, but they were entering position for me to further my studies. So I started working at the age of 18 as a journalist and a news presenter for a local radio station and a freelancer for a Sunday newspaper. A year later, I found myself working at the bank. Then while working there, I was seeking other prospects to still get education. Then I moved to the UK with the hope of getting a better education. Well, life was, you know, surprising. The first 3 months when I got to the UK, I actually worked at the poultry factory, at McDonald's. I've also worked as a janitor. But then, you know, 3 months down the line, I secured myself a job at AXA Insurance. And I was there for the duration of the period. Nearing the expiration of my visa, I then applied at IBM without any post qualifications or any post education. And luckily, I was onboarded at IBM. And when I was at IBM, I actually had, with the knowledge that I gained, it was a re-emphasis to say, I need to give hope to another youth growing up in a township or in a rural community without, you know, by offering an alternative education that's relevant to your traditional universities, but offer it, you know, locally with the same qualification at a shorter duration, but increase the employment opportunities. And the only way to do so is to make sure that you include some work experience with what you're doing. So in a nutshell, Ikusasa was actually founded in 2016 to bridge the skills gap and to increase employment opportunities. So we achieved that through our accreditations that we have with the leading technology organizations offering internationally recognized qualifications. So we can compete in the market and maybe in future actually compete globally as well. But we also do so by aligning ourselves with the sector education training locally. Yep. So our highlights, we have been able to train at least 1,000 learners on digital skills. Wow. Preparing them for the market and for the future of work. So we have had a 90% success rate
in placing them at a workplace, which then converted into permanent employment. And while we're in this journey, we future-proofed our industry and we developed our own learning management system. That was in 2018. Wow. That really came in handy because when the pandemic hit last year, we had to obviously move everyone into the platform. Whereas if you look at in 2018, nobody saw it fit. You know, everybody would tell you, no, I like seeing instructor in front of me. I like that interaction, but the pandemic had another thing for us. So when the pandemic broke, we actually made sure that we train nationally, plus minus 600 learners at the time on system development and also on end user qualification. That was to say, let's give hope as much as we are locked up at home, but let's give hope to say, you know, this situation will pass. It is a pandemic, but we also still need to make something of ourselves. So with that, yes, it was really a success. And I'm really proud to say the team was working tirelessly throughout the whole time throughout the pandemic. While we're also doing that, we also need to address data. We then partnered with some of the local entities, your NGOs to be specific, which had the infrastructure to support the data and also access to devices as well. We've also been partnering with other universities to assist your third year graduates for them to be able to complete their portfolios. So the programs in Ubusasa, what do? We use a holistic blended approach to learning that includes soft skills, so we can promote communication, emotional intelligence, self-awareness, finance for non-finance, and we couple that with the digital skills and basics of entrepreneurial skills. Because as you do this program, you can tell that some of the learners, they aren't made to go and work for someone, but they are driven to be able to start something and make something of themselves. Absolutely. So the digital skills that we have in question, we do a lot of coding, system development, cybersecurity, cloud, IoT, data science, technical support, and system support. These are all the skills that are future of work. That's what we're looking into as the world to grow into. So which is why we're aligning ourselves to make sure that as we proceed, we can actually be able to compete and have a stronger country. Absolutely. And it's, you know, like I'm just listening to you and, you know, you mentioned the future of work, alternative model, short courses, using an LMS, working on both soft and digital skills, entrepreneurship skills. These are all skills of the 21st century that are absolutely required for the future of work. And listening to you, I'm just, you know, saying to myself, like, she's a visionary. Like in 2016, you have been creating this education enterprise and you were a visionary. And this is, I'm so glad today that we are celebrating you. And I hope that like with all the support that NYIA and Honoris United Universities, we're gonna help you, you know, accelerate your development. And from 1,000 learners, how we can reach 10,000 learners, that will be the, you know, fantastic impact that we can do together. Because you're a true visionary and only game changers, you know, can contribute to, you know, make a transformation on our continent. And so this is really fascinating what you have achieved, Julie. Congratulations to you and your team. Thank you. So I think with that, the only challenges that we really have had, I think that actually goes across with other entrepreneurs. Maybe they can vouch for me, you know, in my space. So the major challenge is access to market, specifically with the corporates, in order for us to grow the revenue and actually sustain the programs. Mm-hmm. So we require a lot of collaborations, you know, with your corporates in order for us to actually meet this demand. We also rely on grants, which we do get from the sector, you know, authority. Yeah. Yes, to ensure that also the learners can commit to the program. Mm. And it's not that they don't want to commit. Poverty stricken, it's very difficult. You cannot study in an empty tummy. Mm. And we find that if we offering the free programs and there isn't any stipend, we tend to lose at least 50% of the enrollments.
due to that. Yes. And we've then noted that the stipend tends to actually support the entire family due to the rate of unemployment. So, and the other challenge that we have is that it's maintaining the licenses with the OEMs, because yes, we are aligned with them, but those are renewable yearly. So we need to make sure that we get, we are up and running and yet, you know, to be able to maintain those. Another barrier is language. Language has an impact in how the lenders understand the content. So we would like to actually develop our own content in native languages, starting with the most popular ones to ensure and maximize the understanding and the performance of the learners in order for them to be able to qualify and pass. And lastly, I would say the duration of the program is currently 12 months, which with the challenges of the standard of education in the townships and in the rural areas and the language barriers, it tends to be a bit limiting, because having to make them understand because they're using a foreign language, it takes even longer for them to understand. Yeah. So if we were able to actually be sufficient, be sustainable, and we could be able to try and at least extend the program to 24 months, because that way you sure that whoever actually leaves the program, they understand exactly the content and they can go and apply the knowledge that they have learned. Yeah, and I have a question also with regards to data, you know, and access to internet. So how do you manage this? Because I know that in South Africa, this is, and actually across Africa, in various in very different countries, we have that problem. So how do you manage this constraint? Okay. So when we built the learning management system, we did include technology called Progressive Web App, so that we can actually be able trying to minimize, you know, the usage of internet. And then also we would then upload, you know, some content on PDF so it can be downloaded. They can study offline, you know, without using data, and that when they come to class, they can just come in with the questions. But also we do need to be interactive, because, you know, the learning styles are also different. Yeah. So for us to be able to keep the data, that's when we then approach your NGOs to say, please, can we partner with you guys? We obviously taking learners, the youth from the area, can they utilize their premises? That way, the end-to-end data course, there's all, they also have to have access to their devices, like your computers. Okay, understood. Yeah. Understood. That's really brilliant, because like this is a great example of, you know, a bespoke approach in order to solve a skill gap, you know, to bring solutions that are really customized and personalized in order to have a real impact in the community. So this is really impressive that you have anticipated all the needs, you know, and all the constraints in developing your product. And how did you launch it? Like, did you make any research or study, you know, discussing with the various stakeholders? How did you manage to build such a, you know, made to measure approach for the communities? I think having grown in a township myself, you sort of understand the mentality and how things work. I mean, when I grew up, I never even knew that IT was a career. I don't think that's something that I even thought of myself. Because as you speak, I'm a psychologist by profession. So you can imagine the level of thinking. So when I actually got into the corporate world, it really did assist for me being at IBM and specifically being in the education division. Then I looked at it and said, how do I model that to suit our own in the township and in the rural areas to make sure that it's suited? How do I get a buy-in for that? So that is when then I said, okay, the approach would be, if one has to have access to funding from your sector authorities, it should assist in elevating and actually getting more people to attend the courses. So that is how I actually model that, to say, this is how I'm going to structure the program, that yes, there's theory, but there needs to be hands-on training, because in the end, whatever you've learned needs to be applied somewhere. And the best way is to make sure that somebody is offered an opportunity to be in an organization where they will learn and also be recognized, so that they can actually get a permanent employment.
That's really impressive. Senabu, here we have a great illustration of how we can, you know, have a vision, you know, of what needs to be done and the implementation in quite difficult conditions. And tell me, Tuli, what would be the support that you will need as an entrepreneur in order to continue to develop your project? I think if I were to get collaborations from the data side of, say, the telcos, and that would mean, obviously, you know, my learners will stay on the program because they won't then abscond because of that. But also just the corporates giving us access to actually train their own employees as well, because that way, that's revenue generation for us to be able to sustain the program that we're doing. So we need more access to markets. To train the corporates, because the corporates themselves, they need the skills of the future. I mean, everybody's moving that way. So why not utilize us? And then also with these, the corporates themselves, they need to obviously play a role, I mean, in the social, you know, investment. So how do they then tie us up to actually be part of that social investment in order for us to make this change that is not just important just to me, but to all of us. Yeah. In so doing, one, they have skilled employees, but also we are addressing this much gap of unemployment in SA. And it's a huge and important problem to solve in South Africa. We know that it's one of the highest, I think it's the highest in the on the continent. It is, and everything else, to be honest, I mean, we're going to have a food pandemic very soon, you know, and with the skills that we have, they go across, whether you're in agriculture, whether you're in logistics, it's skills that we need to build in order for us to sustain ourselves. Even the cases of gender violence, it's all education. So if we can address that, the education, and make sure people are employed, I think a lot of these issues can actually be resolved. I fully agree. Fully agree. And I would like to try to find ways to support you. Senabu, is this the right time maybe to say that at Honoris United Universities, we try to empower and to provide assistance to each of the revelation. And we empower our female entrepreneurs with providing the scholarship to study in any of our institutions across the continent. And Tulia, I don't know if you're familiar with Regent Business School and with Mancosa. Yes, I am. Okay, wonderful. So Regent Business School has been working since the last few years, you know, on building very unique models in order to provide 21st century skills, just like you described, in very specific learning environments. One environment is called the iLead Lab. And the iLead Lab is, and we have this type of labs in different countries, in South Africa, in Joburg, where you are, in Pretoria, in Durban, in the Western Cape, so in very different regions. And there is an ecosystem. It's a lab where you can find a mentorship, where you can find introduction to different type of digital skills. And we help students to build their project, to get them ready to go to the market. And so this is one lab. The other one is called the Red Hub. Regent Business School has really a vision that entrepreneurship should be, like, you know, taught from day one when students enter to the business school. And what they have done, they have created that hub, which is now part of the AFRI Labs. I don't know if you're familiar with the AFRI Labs, but it's the largest community of incubators and innovation center across Africa, and Honoris United Universities and AFRI Labs have partnered, and Red Hub is part of the AFRI Labs, and therefore benefits also for contributions that they really empower entrepreneurs in order to help them fine-tune their model to get to the market. And if I heard well what you said,
Maybe a contribution from honoris to you could be that you benefit from one of the programs of the Red Hub at Regent Business School. Is that something that could support you? Definitely, definitely. It will definitely support us, yes. I mean, we have all, we build all these prototypes. I mean, we're teaching the learners to actually develop stuff and they sit there. But now if they have a platform where they can actually get their projects into the market, it's a win-win situation. And also, you know, why I'm thinking about Regent, because Regent Business School, like the team is extremely creative and they have developed what they call the Mahala box. And I know that Mahala has a signification. Yes. Mahala means free. Free. And yes. What they have done, they have like in the iLead Lab, they have created this Mahala box. And basically it's a box that works with solar energy and that can get access to internet. So maybe working with, you know, Vision Business School and the Mahala box can be something that can help give access in the community. And actually they just have made, you know, a proof of concept test in one of the region in not far from Durban in KZN. And the second is maybe being part of this entrepreneurial program, an entrepreneurship program, where you can, you know, have, you know, support in order to build your plan for a larger access to market. So I have these two ideas that can fit quite well with your project. It will. No, both of them. And I like the fact that it's actually across, you know, the country as well. Yes. And I'm actually working across the country as well. So yes, that will definitely be of assistance to us. So let's work on that. Let's work on that together. Anatu, Senabu, you see, Anatu is our CMO in Nigeria. Senabu, you've seen that, you know, connection across the continent works. Yeah, that's really works. And you know, when you put also women together, amazing things happen. So that's just what happened actually. And I'm very, very honored to be here to see how strong and still your support is. Thanks a lot, Laura, for this. I know that Tuli really need our support because she's doing all this journey with herself, by herself, and just alone. And I feel like this, actually, we don't need to be alone anymore. We have many other platforms and we need to support each other. And we need also to support women are doing amazing things on the field. So thanks a lot, Laura, for being here since the beginning. And congratulations to Lee for your revelation prize. And this is something that you really own it. And yeah, I know that you are going to also amaze us in the future. And as Laura said, you are a visionary. So you will keep just leading the way for all of us. Absolutely. I have to say, like, we are united in purpose, education for impact. So we will definitely connect right after the call. Thank you. Thank you so much, Laura. So thank you so much. We are going to move to the second part of this webinar, and we are going to switch in French because our revelation is Moroccan, and we are going to talk about the sustainability and sustainable development with Mary Jam. So thanks a lot, Laura. Thanks, Tuli. Merci beaucoup et merci de rester avec nous pour la deuxième partie de ce webinaire qui va être en français dédié au développement durable avec notre partenaire Mary Jam. Au revoir Laura, au revoir Tuli. Bye. Bye. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mary Jam, qui est le mécène qui notamment soutient le secteur développement durable et la révélation de cette année, Salma Bougarani. Et je suis aujourd'hui avec Monsieur Thierry Deo, CEO de Mary Jam. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Thierry, bonjour Salma. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis Sena Boucham, je suis la manager du programme WIA 54 pour Women in Africa et je suis basée à Dakar. Je ne sais pas, Thierry, vous êtes où aujourd'hui? Je suis à Paris aujourd'hui. À Paris,
Il me semble que Salma est sur le même continent que moi, mais elle est pas, elle est un peu plus haut. Je me trouve à Rabat aujourd'hui, moi. Ah, très très belle ville, très très belle ville. Donc, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous dire dans le chat de quelle ville vous nous écoutez, vous nous regardez. Ça nous fera plaisir de vous faire un petit coucou. Et d'ailleurs, dites-nous quel temps il fait chez vous. À Dakar, il fait un peu sec. C'est le vent de l'harmattan, voilà, le vent sec qui annonce les petites fraîcheurs. Mais je vais pas me plaindre parce qu'il y a quelques jours sur Paris, il faisait beaucoup plus froid que ça, n'est-ce pas, Thierry? Il fait toujours aussi froid. Toujours, toujours. Voilà. Alors, en tout cas, Women in Africa existe en tout cas grâce au soutien des mécènes comme Mary Jam. Et cette année, grâce à leur soutien, la vision que nous avons à 2030 de soutenir 10 000 femmes entrepreneurs commence à se concrétiser, notamment avec le bootcamp où on a accompagné 540 finalistes qui ont été formés au pitch et ensuite les 54 lauréates pays et les 10 révélations Women in Africa ont été annoncées. Donc aujourd'hui, on est en présence de Salma et de Thierry que nous allons laisser ensuite interagir. Mais j'avais d'abord une petite question pour Monsieur Deo, parce que particulièrement, Monsieur Deo, vous nous avez rejoint à Women in Africa au tout début du COVID. Donc vous nous avez accompagné, vous êtes un mécène COVID, si j'ai envie de dire. Donc, c'était des années un peu particulières, mais voilà, vous nous avez accompagnés sur ces 2 années particulièrement difficiles. Quel est votre regard sur ces 2 dernières années où on a cheminé ensemble et notamment sur la crise de manière plus générale? Merci. Ben, ça fait en effet 2 ans que le Covid a bouleversé un peu les vies de tout le monde, hein, et a envahi notre espace, nos pensées un peu trop. Et moi, je crains, et c'est aussi pour ça que je vous ai accompagné, c'est que l'impact de cette crise soit assez terrible, parce qu'elle nous a un peu retranchés dans nos noyaux durs, familiaux, professionnels, et donc empêché cet échange et cette ouverture vers le monde qui est nécessaire, notamment pour échanger sur les problématiques de développement durable, pour les développements personnels aussi des gens. Cet échange, donc c'est assez nuisible, ce retranchement finalement. Et donc on a un petit risque qu'à l'issue de cette crise, finalement, on ait un peu pris du retard sur les problématiques. Donc c'est pour ça que il me tenait à cœur d'accompagner encore plus, même en Zoom, et des meilleures façons possibles, ce type de programme, parce que c'est aussi ça qui nous permet de continuer à discuter. Et puis, on a la chance aujourd'hui de parler développement durable encore avec Salma. Oui, et d'ailleurs avec un très très beau projet Green Watech, donc je vous ai déjà. Alors, je pense que Monsieur Deo, vous rencontre pour la première fois, donc je sais qu'il est très impatient d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, je vais le laisser. Il a préparé quelques petites questions pour toi, pour en savoir un peu plus sur ton projet, notamment GreenWatech. Voilà. Bah, merci. Et puis, chère Selma, d'abord, c'est un honneur, hein, de présenter aujourd'hui la révélation développement durable de Women in Africa pour cette année. Et puis, c'est particulièrement un honneur parce que le développement durable, c'est le cœur du métier de Meridiam, et l'eau en fait partie, puisque nous sommes un investisseur dédié au développement durable et au long terme. Donc, ce sont des thématiques qui nous préoccupent beaucoup et qui sont notre métier. Mais avant de vous poser les questions, peut-être pour les auditeurs, on pourrait avoir une petite présentation de votre parcours et de vous-même. Merci Thierry. Ben, écoutez, moi, c'est Salma Bougalani. Je suis cofondatrice et CEO de GreenWatech. Donc, c'est une entreprise sociale dont le cœur de métier est le traitement des eaux usées, c'est l'assainissement dans le milieu rural et décentralisé. Donc, un petit aperçu sur mon parcours. Donc, je suis ingénieure de formation. Après mon ingénierie, j'ai décidé de faire une thèse doctorale. Donc, GreenWatech, c'est le fruit d'une recherche académique doctorale
qui s'est déroulé au Royaume, au Maroc, en Allemagne, à l'Institut Max Planck et en reconnaissance au terrain, principalement en Chine et au Japon. Donc, après mon ingénierie, j'ai décidé de travailler sur l'assainissement rural et donc j'ai écrit mon projet, mais ce n'était pas trop à la mode au Maroc. Donc, tout le monde voulait travailler sur les dernières technologies, etc. Donc, j'ai porté mon projet en Chine et c'est là où j'ai commencé. Après, j'ai travaillé aussi en tant que chef de projet Women in Africa, Women in Waterfield à l'université de Pékin. Après, je me suis dirigée en Allemagne et c'est là où, à l'Institut Max Planck, et c'est là où voilà, j'ai lié un petit peu l'entrepreneuriat à la recherche. J'ai voulu sortir du laboratoire vers un projet qui marche, un projet qui peut résoudre une grande problématique, notamment en Afrique. Voilà. Alors, peut-être dans une première question, mais alors pourquoi avoir lancé ce projet et quelle a été la motivation profonde pour vous, la genèse de ce projet, d'un point de vue très personnel? Alors déjà, il faut savoir qu'au Maroc, c'est 15 millions de la population marocaine, c'est presque la moitié, vivant dans 32 000 villages, qui n'a pas accès à un service d'assainissement adéquat. Donc les eaux usées, ils sont directement rejetés dans la rivière la plus proche ou bien dans des latrines ou des puits perdus sans aucun traitement, ce qui cause un vrai problème de santé publique, d'environnement, énormément de problèmes. Alors moi-même, je passais mes 3 mois de vacances dans la campagne, c'est le village de mon père, et c'est là où on passait les vacances d'été. Et j'étais à cette époque très, très sensibilisée à cette question des eaux usées parce qu'on entendait à chaque fois, il ne faut pas nager dans la rivière parce que sinon, vous allez avoir des diarrhées, vous allez vomir, etc. Donc, depuis mon jeune âge, j'étais plus ou moins sensibilisée à cette question d'environnement, cette question d'assainissement. Une fois grande, je tenais tellement à travailler sur cette problématique bien précise, hein. L'assainissement rural. Alors finalement, c'est le sujet de la rivière qui vous a poussé à devenir ingénieur et spécialiste de l'eau. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, parce que vous êtes aussi entrepreneur, et pour rêver un peu, parce que les entrepreneurs, ça rêve, c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses. Comment, si je vous pose la question qui est très difficile, mais comment est-ce qu'on peut régler ce problème majeur qui est celui de l'accès à l'eau en Afrique et puis l'assainissement, en particulier en milieu rural, qui est une vraie, mais pas seulement en milieu rural, qui est un vrai problème. Alors, si vous devez vous projeter là sur les 5 ans, vous avez tous les moyens qu'il faut, comment on fait? Alors, oui, c'est une question très, 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 très difficile, on va dire. Mais il faut savoir qu'en 2021, aujourd'hui, il y en a plus de 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un service d'assainissement, qui n'ont pas accès à l'eau salubre, soit une personne sur 3 selon l'ONU. Donc, au Maroc, comme je viens de le mentionner, on en est à 15 millions d'habitants qui n'ont pas accès à un service d'assainissement adéquat. Un chiffre en Afrique qui fait peur, c'est 500 enfants qui meurent chaque jour à cause des problèmes liés à l'assainissement. Et donc là, j'arrive à la réponse. Donc, au Maroc, on va dire on a deux problématiques, mais qu'on peut résoudre avec une solution. On a la problématique du stress hydrique. Il faut savoir qu'au Maroc, l'irrigation représente entre 80 et 90% des besoins en eau propre. Mais aussi, on a la problématique des eaux usées. Donc, une solution qu'on peut proposer, c'est le traitement des eaux usées, qui peut résoudre la problématique d'assainissement, mais la réutilisation de ces eaux usées traitées dans l'irrigation des cultures et de l'agriculture. Donc, et c'est parmi aussi les choses qu'on œuvre, c'est la mission de Green Water, on œuvre à démocratiser l'accès à un assainissement adéquat pour la population rurale pour des fins de réutilisation. Donc, une approche très facile pour limiter ce fléau d'accès à l'eau, c'est le traitement et la réutilisation des eaux usées à travers des technologies non conventionnelles, on va dire. Une deuxième piste. Oui, oui, allez-y. Sur laquelle je tiens tellement à la mentionner, c'est la sensibilisation. Et il faut savoir qu'au Maroc, et on l'a vécu, si on ne passe pas à travers la sensibilisation de la population rurale, on n'a jamais des projets durables, on n'a jamais des projets voilà, qui engage la population et nos clients.
Donc, c'est une tâche aussi que nous tenons à faire au sein de Grimotech. C'est avant l'implémentation de n'importe quel projet, on passe par des campagnes de sensibilisation, des ateliers pour les enfants, pour les femmes et les hommes du village avant l'implémentation de n'importe quel projet. Donc, on est vraiment dans une approche participative pour pouvoir résoudre cette grande problématique qui est l'accès à l'eau. Alors, si j'ai bien écouté, vous adressez au moins 4 objectifs de développement durable de l'ONU d'un seul coup: la santé, le social, l'éducation et le partnership. Donc, franchement, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de réussir tout ça. Mais comment est-ce que vous voyez les difficultés? Là, vous êtes entrepreneur, là, vous êtes à Rabat. Et comment on a rêvé là, sur 5 ans, et comment on peut faire? Quels sont pour vous les obstacles, justement, dans votre activité pour réussir? Alors effectivement, pour les obstacles, ben, on en a tellement, hein. Mais je commencerai par les défis, on va dire, d'ordre financier, du moment que c'est le nerf de la guerre, hein, pour une entreprise et une entrepreneuse. Donc, rester performant, compétitif, pour déjà atteindre notre vision, pour atteindre l'impact qu'on veut, achever l'impact qu'on veut atteindre au Maroc, mais aussi en Afrique. Donc, honnêtement, au Maroc, je parle des circonstances au Maroc, mais ça peut être généralisé en Afrique, du moment que c'est un petit peu le même écosystème. Donc, déjà convaincre les banques et les investisseurs, ce n'est pas vraiment une tâche facile, surtout pour une petite entreprise, une entrepreneuse femme, tout simplement parce que les écosystèmes, ils sont embryonnaires. Que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les banques, que ce soit pour les investisseurs, ça commence à prendre forme, mais il faut toujours beaucoup de travail, ça d'une part. Donc, d'autre part, on a énormément de défis techniques. Il faut savoir qu'on travaille dans des régions montagneuses, des régions reculées, des régions où l'accès est très, très difficile. Donc, à chaque fois, il faut s'adapter au terrain, il faut être dans l'innovation, il faut être vraiment dans l'approche participative pour pouvoir trouver des solutions, que ça soit à la difficulté du terrain ou bien à la culture de cette population. Il y a des villages où ils consomment très, très peu d'eau, donc on reçoit des eaux très chargées. Il y a des villages où ils consomment une très, très grande quantité d'eau. Donc, vraiment, c'est le cas par cas et ça dépend de là où on œuvre. Et pour le troisième défi, ben, je voudrais citer les défis d'ordre social. Donc, mais franchement, c'est des défis qu'on arrive très bien à gérer à travers la sensibilisation qui est la clé d'ailleurs du durable. Donc, franchement, lorsqu'on part la première fois dans un village, ben, la population elle est généralement sceptique. On veut installer une station d'épuration, ben, ils croient que ça va générer des odeurs, des moustiques, etc., etc. Après, si on ne passe pas à travers des campagnes de sensibilisation, à travers des ateliers de formation, donc on a vraiment du mal à installer ça avant de convaincre cette population de l'utilité de cette installation. Donc, une fois fait, ça devient très fluide. Et cette population, ils sont vraiment dans ce sentiment de possession. C'est leur projet, ils combattent pour, ils font tout leur possible pour que ça marche. Donc, voilà un petit peu les défis qu'on a dans ce genre de projet. Très bien. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez, pour embaucher et avoir tous les techniciens, ingénieurs qu'il vous faut, tout le vivier qu'il vous faut localement, et si vous deviez vous projeter dans d'autres pays d'Afrique, comment vous voyez cette problématique de la ressource humaine? Alors, tout simplement, on est dans cette optique. Ben, au Maroc, on est une équipe quand même de 14 personnes qui sont formées sur la technicité, sur la mission et la vision de Grimotech. Donc, on est tout à fait alignés. Mais effectivement, quand vous venez de le citer, une fois à l'expansion, une fois dans d'autres pays, ben, il faut passer à une autre échelle. Mais pour ce faire, nous pensons que nous pouvons toujours partager notre savoir-faire avec d'autres partenaires qu'on aura, des partenaires locaux qu'on aura dans chaque pays,
Ben, on pourrait partager notre vision, comme ça on aura des équipes dans chaque pays du monde. Petite question taquine, est-ce que sur les 14 personnes, vous êtes 7 femmes? Alors, on n'est pas 7 femmes, on est 5 femmes, mais on est 5 femmes qui sont dans le top management. Pour les autres, c'est vraiment c'est le terrain. On a, c'est vraiment, parce que c'est un domaine qui est assez quand même. Et un jour, on atteindra cette équité, croyez-moi. Non, en tout cas, merci parce que c'est passionnant et puis vous êtes passionné par ce que vous avez créé, donc c'est formidable. Il me reste vraiment à vous encourager parce que je crois que notre temps imparti arrive à sa fin. Vraiment, c'est magnifique parce que je pense que peu d'entreprises, justement, ont un tel engagement dans leur activité, notamment sur les sujets de liens avec les communautés, d'éducation et d'engagement avec ces communautés qui soient aussi forts pour soutenir finalement votre activité commerciale sur le long terme. Merci beaucoup encore. Merci Monsieur Déo, c'était un plaisir ces moments de partage, vraiment. Et moi, j'ai envie de dire que nous avons beaucoup de chance d'avoir eu Salma qui a déjà candidaté à Women in Africa et qui a cru en fait au programme que nous proposons pour soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique, pour les rendre visibles, pour montrer que les femmes se trouvent aussi dans des secteurs où on les attend le moins et où elles ont comme vision aussi d'atteindre l'équité, comme disait Salma, et on va y arriver. Et aussi dans des secteurs qui ont un très fort impact. Et je sais que Thierry, c'est quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur. Et puisque vous êtes engagé, en fait, vous avez un engagement à ce que vos projets d'infrastructure soient à l'origine de retombées vertueuses pour les populations. Et alors, je sais que vous avez quelques actions spécifiques à l'attention des femmes, des communautés impactées que vous souhaitez mettre en place dans quelques pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un engagement, comme nous sommes une société à mission très fort chez nous, hein, c'est le SDG 5, comme on l'appelle. Et donc, on a à cœur, aujourd'hui, on a déployé, on a investi à peu près 4 milliards d'euros sur le continent africain. Et de façon systématique, au fur et à mesure, on essaye sur chaque projet, chaque investissement, d'encourager un certain nombre de choses, mais à destination des femmes en particulier. Le premier exemple très concret, c'est en fait déroulé au Sénégal, hein, autour de nos projets solaires, avec en partenariat avec une ONG qui s'appelle Empower Her. Et nos objectifs étaient de trois formes, hein, à la fois donner une autonomie économique aux femmes par l'entrepreneuriat. Alors, c'était assez ciblé, hein. Révéler et promouvoir finalement le leadership féminin par l'exemple, et puis aussi par l'exemple, un peu montrer une culture d'équité aux jeunes en général. Parce que, et donc, je me rappelle que sur ce projet, on avait d'abord interviewé une centaine de femmes pendant 2 mois pour vraiment comprendre quels étaient leurs besoins. Et suite à cela, donc à ces consultations et à ces échanges, on a monté d'abord un programme en formation de gestion financière, de management, un peu des techniques commerciales. Et ça a duré 7 mois. Et puis, à la fin, on a formé 900 femmes dans la région de Tenmerina. Et puis derrière, ben, il a fallu mettre un peu la machine en place. Donc, on a mis en place une solution de microcrédit pour les aider à monter leurs petites entreprises. Et aujourd'hui, des années après, on est à un taux de remboursement de 95%. Donc, très élevé et vraiment avec un peu de garantie, on a réussi vraiment à toucher, financer quasiment 200 projets dans cette région. Donc, c'est au moins 200 emplois et plus d'ailleurs parce qu'elles ont pu avoir des retombées. Et puis, on s'est rendu compte, puisqu'on a fait un peu une étude d'impact, que leurs économies avaient augmenté de 8% par semestre.
C'est-à-dire que l'argent qu'elles économisaient pour leur donner un pouvoir d'indépendance, finalement. Donc, c'était une première étincelle. Et puis, en Côte d'Ivoire, après, on s'adapte, hein, parce que le sujet, ce n'est pas toujours le même projet, ce n'est pas toujours le même besoin. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter. Donc, en Côte d'Ivoire, on a ouvert au cœur d'Abidjan un hub qui est nommé Assoya, hein, qui fournit en fait des mesures adaptées, sur des services adaptés et sur mesure comme la formation, du coaching individuel, la location de bureaux et des mises en réseau de femmes entrepreneurs. Voilà, donc ça c'est un soutien beaucoup plus urbain que le sujet rural sénégalais. Et puis là, on recommence un programme d'incubation au Nigeria avec des femmes et on va se lancer bientôt au Gabon, vraiment dans cette consultation pour comprendre et autour de nos projets, créer cette capacité, parce que c'est important. Je pense que cette capacité de leadership, d'entrepreneuriat, c'est aussi ça qui crée l'indépendance et c'est aussi ça qui crée cette égalité. Et pour finir, même dans la fondation que je préside, qui est le Africa Infrastructure Fellowship Program, qui accueille tous les ans des fonctionnaires en charge des projets dans leur pays, on a reçu là la deuxième promotion et on a eu plus de la moitié de femmes, hein, parce que c'est un souci de notre part. 23 pays, 23 représentants, plus de la moitié des femmes qui ont passé 4 mois de formation à des techniques et des gestions de projets auxquelles elles n'avaient pas forcément accès et qui va les rendre de vrais leaders en matière de développement d'infrastructures dans leur pays. Donc, c'est important, c'est des petites gouttes, mais qui sont importantes. La capacité entrepreneuriale, ça peut apporter beaucoup de choses. Oui, complètement. Et on parle d'impact. Salma aussi a ce projet, effectivement, où on voit l'impact que ça a auprès des populations les plus reculées. Et on le sait, hein, beaucoup d'études montrent qu'effectivement, qu'en investissant sur les femmes, en tout cas, réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus dans leur communauté. Et donc, ce cercle vertueux économique est extrêmement intéressant dès lors qu'on arrive à impacter de la meilleure façon ces communautés. Et je pense que vous avez compris, Thierry, d'écouter. Ça, c'est très intéressant aussi dans votre approche, d'écouter les communautés avant de leur proposer votre appui, parce que souvent, pendant longtemps, on a fait l'erreur de vouloir penser à leur place, alors que voilà, ils ont leurs propres besoins. Et une fois que c'est exprimé, il suffit juste de mettre les moyens qui sont adaptés pour que ça aille beaucoup, beaucoup plus loin. Et je ne sais pas si Salma, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare sur cette question justement d'impact des communautés. Effectivement, j'étais super ravie en tout cas d'entendre Thierry parler d'impact. C'est de l'impact direct et c'est vraiment juste merveilleux, quoi. Et puis aussi au sein de GreenWatech, comme je viens de le dire, c'est nous œuvrons à démocratiser l'accès à un service d'assainissement parce que nous avons aussi entendu nos communautés et c'est vraiment un besoin, une demande exprimée, mais chaque jour et à chaque minute, on rencontre ces gens. Donc, c'est des gens qui vivent dans des situations précaires et qui ont ce besoin d'améliorer leur qualité de vie, qui ont ce besoin de réutiliser les eaux pour leur agriculture parce qu'on est vraiment, c'est un pays en plein stress hydrique, on souffre de sécheresse et tout cela. Donc, on a arrivé à développer à chaque fois notre produit pour suivre les besoins de nos consommateurs et de nos bénéficiaires. Donc, à chaque fois, vraiment, on termine un projet, on voit cette étincelle de joie et de bonheur dans les yeux de nos bénéficiaires, ça n'a pas de prix. Et c'est la chose pour laquelle nous continuons de nous battre pour un avenir meilleur pour ces populations. Voilà. Tout à fait, Salma. Et en tout cas, nous, on t'envoie tous nos encouragements. Et tu as entendu aussi les encouragements de Thierry qui reste bien sûr à nos côtés. Et j'imagine pour encore de très, très belles choses à faire ensemble. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là.
Merci d'avoir été là avec nous pour célébrer ces révélations, Tully de l'Afrique du Sud et bien sûr Salma du Maroc, donc sur l'éducation et le développement durable. Donc Women in Africa, dans sa mission qui est celle de soutenir les femmes entrepreneurs, a toujours un plaisir à justement mettre sur le devant de la scène ces femmes qui œuvrent en fait sur le terrain pour le développement économique de notre pays à travers notamment l'entrepreneuriat. Donc merci de nous avoir suivis pour ce premier webinaire pour annoncer nos révélations. Et je vous donne rendez-vous très, très bientôt en janvier pour découvrir et révéler, bien sûr, ces femmes extraordinaires, continuer à vous les montrer dans des autres secteurs d'activité comme la santé, comme l'agriculture, comme le digital tech, les industries culturelles de la beauté, l'agriculture, bien sûr. Et donc, voilà, on aura très grand plaisir à vous retrouver bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin aussi de vos familles et restez, comment on dit, be safe. Et à très, très bientôt sur Women in Africa et les webinaires We Are Talk et Révélation. Merci à vous. Au revoir.